Nous sommes dans le village des Chapelles, situé sur l'adret de la vallée de la Tarentaise, sur fond d'Isère. Devant nous, des papillons nacrés et des flambées apparentés au macaon. C'est dimanche et nous descendons vers l'église Saint-Sigismond d'Aime. Nous arrivons tout à la fin de la messe et nous découvrons l'intérieur baroque de cette église paroissiale. Au fond de l'église, il y a la représentation rare de la Vierge allaitant. Dominant la ville, la chapelle Saint-Sigismond était en fait la première église paroissiale. Il y a également la basilique Saint-Martin, qui date du XIe siècle et qui possède une crypte souterraine. Elle est construite sur d'anciennes fondations romaines. On remarquera aussi les nombreux cadrans solaires de cette ville d'Aime. Et d'admirer le charme puissant et austère de cette basilique Saint-Martin. Nous quittons Aime et notre voiture gambade joyeusement sur les routes du versant des Chapelles. Bourg Saint-Maurice constitue finalement un camp de base pour la plupart des stations de sports d'hiver avoisinantes. Il y a un vieux quartier avec une toute petite zone piétonne et quelques monuments historiques. Il y a quelques bistrots aussi. Notre promenade s'étend vers Hauteville-Gondon et nous trouvons porte close à l'église Saint-Martin. Dommage car elle abrite un superbe retable baroque. Superbe fin de journée et les parapentistes s'adonnent à leur sport favori. Au-dessus des stations des Arcs. Les flambées sont toujours là, profitant des derniers rayons de soleil.